Bonsoir, à la une de votre journal de François Schoellery, Pays Basque. Nouvel épisode dans le sulfureux projet d'exploration de mines d'or dans le secteur d'Espelette. Son promoteur annule une réunion publique. Le dossier de Sudmine attendra. La société minière qui souhaite rechercher et explorer de l'or au Pays Basque a annulé au dernier moment la réunion qu'elle devait tenir aujourd'hui à Saint-Pé-sur-Nivelle. Une bonne nouvelle pour les opposants au projet qui dénonçaient une manipulation. C'était vraiment un piège pour que Sudmine puisse dire au ministère « Mais regardez, il y a une opposition, mais ils sont assis autour de la table, ils sont prêts à discuter de quelque chose autour de l'ouverture de la mine. » Donc c'est très bien qu'elle soit annulée parce que personne n'est tombé dans le piège de s'y rendre en fait. Sudmine avait en effet décidé de créer dans cette réunion une commission locale de concertation et de suivi de manière officielle. Problème, seuls les services de l'État sont en mesure d'instaurer une telle réunion et une fois que le permis de recherche est accordé, ce qui n'est pas encore le cas pour Sudmine. Procédé un peu étrange, le comité de pilotage a été mené d'une façon aussi plutôt opaque. En fait, on présentait comme un comité de pilotage qui fédérait l'ensemble des autorités et des élus, alors que c'était uniquement une initiative de la société Sudmine. Les maires des 11 communes concernées avaient tous décliné l'invitation. La mobilisation des opposants a, elle, été maintenue. Elle sera suivie ce soir d'une réunion publique à Saint-Pé.